Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser les défis que vous allez devoir faire dans le mode de jeu rouge contre bleu lave. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce mode de jeu. Alors ce mode de jeu se trouvera normalement à l'affiche quand le défi sera disponible, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le trouver dans la liste des modes de jeu. Ou alors, pour vous faciliter les choses, je vous note le code de la map en description et en commentaire épinglé. Donc vous n'aurez plus qu'à rentrer le code de l'île pour jouer à ce mode de jeu. Donc quand vous êtes dans ce mode de jeu, le premier défi que vous allez devoir réaliser, c'est d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête dans rouge contre bleu lave. Alors pour réaliser ce défi, rien de plus simple, vous infligez des dégâts en tirant dans la tête des adversaires. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 2500 de dégâts pour débloquer 20 000 XP. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec des pistolets mitrailleurs ou des pistolets dans rouge contre bleu lave. Alors rien de plus simple, vous infligez des dégâts à des adversaires et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 5000 points de dégâts aux adversaires avec un pistolet ou un pistolet mitrailleur pour débloquer 20 000 XP. Et le troisième et dernier défi est de détruire des structures adverses avec la pioche dans rouge contre bleu lave. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près des constructions ennemies. Donc vous pouvez facilement les repérer parce qu'elles reflètent une lueur rouge comme ça. Donc quand vous voyez que la construction a une lueur rouge, ça veut dire que c'est une construction ennemie. Et bien là, ce que vous allez devoir faire, c'est piocher la structure ennemie pour accomplir le défi et débloquer 30 000 XP. Alors très important, vous allez devoir détruire 200 structures pour terminer ce défi. Donc ça va être un peu long, mais c'est réalisable assez facilement, surtout dans ce mode de jeu. Par exemple, s'il y a une grande construction qui est en train de se faire en hauteur, vous détruisez la base et ça détruira toute la construction qui est en hauteur. Donc de là, ça va détruire plusieurs structures en un seul coup, très rapidement et très facilement. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.